Bonjour. Bonjour à toutes. J'espère que vous êtes tous en forme. Malgré la pluie ici en Auvergne, aujourd'hui nous sommes mercredi, il pleut, il a plu tout le week-end, c'est vraiment pas agréable. Bref, je voulais vous montrer, j'ai fait quelques achats chez Etam, et là tout de suite il y a moins 40%, donc c'est vraiment intéressant, c'est le début des soldes, les soldes c'est à la fin du mois, donc pour les ventes privées, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je préfère même acheter pendant les ventes privées, parce qu'après c'est le fouillis dans les magasins chez Etam. Après, ils mélangent tous les vêtements et moi, ça me gave. Donc, je suis allée chez Etam samedi avec ma fille. J'avais déjà acheté 2-3 petites choses, je voulais vous les montrer. J'ai l'habitude depuis tout le temps de m'habiller tout le temps avec des petits pantalons de chez Etam noirs. Et, parce que quand j'arrive à la maison, je me change tout le temps parce qu'avec mes chiens, j'ai ma chienne Kira c'est un gros berger blanc suisse qui a plein de poils blancs et elle en fout partout. Et c'est vrai que je peux pas du tout rester habillée chez moi parce que sinon c'est une catastrophe. Les vêtements sont tout abîmés après. Il y a des poils partout. Donc, j'ai des petites tenues comme ça que j'achète pour rester à la maison. Et là, j'avais envie de couleur. Je me suis dit, il va faire beau et je vais porter de la couleur. En fait, il fait pleuvoir. Donc, voilà. Faut faire avec, c'est comme ça. Donc je me suis acheté déjà, je vais vous montrer, hein, c'est des petits bas de pyjama que j'achète. C'est vrai qu'avant j'aimais bien acheter les petits bas de pyjama noirs en coton. Et en fait je trouve que ceux-là ils sont hyper confortables. En fait on est vraiment à l'aise dedans. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il y en a de plein de sortes et moi j'aime bien être à la maison tranquille comme ça, j'adore. Et je suis super bien dedans. Et j'avais envie d'acheter aussi des t-shirts comme ça parce que c'est vrai que les shorts aussi sont sympas. Et il y a plein de jolis shorts avec plein de jolies couleurs, je voulais vous les montrer. Voilà, tout simplement. Je vais commencer d'ailleurs par, je me suis arrêtée dans une petite bijouterie. Alors, pour les Auvergnates, au centre Jaude à Clermont-Ferrand, il y a en bas, au rez-de-chaussée, un petit magasin de bijoux. Ça s'appelle Articles de Paris, accessoires, comme ça, là. Et franchement, il y a des jolis bijoux. Et ils étaient à moins 50%, moins 40% sur le deuxième article. Voilà. Donc, du coup, avec ma fille, on s'est acheté quelques petits bijoux. Tout de suite, je suis à fond dans les bijoux. Je suis à fond dans les... dans la couleur. Alors, présentation, ça se présente comme ça. Et vous avez des petits paquets comme ça qui sont très jolis. Voilà, donc à offrir, c'est super sympa. Les prix tout à fait raisonnables, c'était dans les 30 euros, moins 40%, donc c'était super intéressant. Les bijoux sont en acier et ils sont tous emmêlés. Donc là, je vais les démêler. Voilà, j'ai réussi à le démêler. Il est très très beau. J'avais flashé dessus quand il était en vitrine. Alors je vais essayer de le mettre. En fait, j'avais flashé pour le premier, vous voyez, avec les petites croix là. Je trouve ça très joli. Et j'avais pas vu qu'il était multi-rang comme ça, mais ma fille elle trouvait ça joli, donc je l'ai pris. Et je vais vous montrer. J'aime beaucoup, vous voyez, le petit collier en haut. Après, je trouve que celui-là, il est peut-être un petit peu trop. Vous voyez, il descend peut-être un petit peu trop bas. J'aurais préféré qu'il soit peut-être... Vous voyez, que ça s'arrête par là. Ça, je pense que ça aurait été plus sympa. Ouais, parce que ça fait trop décalage avec celui-là. Là. Ou sinon, qu'il n'y ait que cela et pas celui-là. Donc, je ne sais pas. De toute façon, si ça ne va pas, je vais le porter avec une chemise de toute façon. Et si je vois que ça ne va pas, celui-là, je l'enlèverai. Il est trop bas, celui-là, par rapport aux autres. Ouais, comme ça, vous voyez, je l'aurais bien vu... Je l'aurais bien vu comme ça, vous voyez, avec une petite chemise ouverte, ça aurait été sympa. Donc, mais sinon, il est très joli et j'aime beaucoup les couleurs, c'est très, 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 très sympa. Ouais. Et il n'était pas cher, il était à 30 euros, bon, les 40%, du coup, j'en ai pris plusieurs. Mais très, très, très joli, j'aime beaucoup. Pour l'été, là, ça va être très cool. Ensuite, il y en avait un deuxième, celui-là aussi, il était même, je suis un petit peu basse là. Celui-là, toujours en acier, je le trouve superbe aussi, très joli, un peu plus gros, avec une petite chaînette pour allonger le collier. Ouais, celui-là, je l'aime bien aussi. Alors moi, je vais le rallonger parce que vous voyez, si je ne le rallonge pas, il est là. Et j'aime pas quand ça sert trop au niveau du cou. Donc je vais le mettre carrément au plus bas. Je le présente comme ça. Je trouve ça très, très sympa aussi. Ouais.
voilà ce que ça donne. Ensuite, j'en ai pris un autre. Voilà. J'aime beaucoup aussi les petites pochettes grises, c'est très sympa. Je me suis pris un petit bracelet, il est trop mignon. Il se présente comme ça. Vous voyez, il y a plein de petites couleurs. Et je vais vous montrer ça. Le collier, il est très joli aussi. Je trouve que pour l'été aussi, c'est sympa. Il faudrait que je me trouve des petites boucles d'oreilles assorties. Vous voyez, avec plein de couleurs. D'ailleurs, je crois que je vais garder celui-là. Il faudrait que je me trouve des petites créoles assorties avec plein de petites couleurs, comme ça, ce serait sympa. Voilà, voilà ce que ça donne. Ouais, je l'aime bien celui-là, je le trouve trop mignon. Donc je vais le garder, je vais garder ce petit collier. Voilà pour mes petits bijoux, et ma fille s'en est pris aussi une paire, et c'était intéressant au niveau du prix. Donc voilà pour les bijoux. Alors ensuite, je voulais vous montrer, donc je vous ai montré mon petit pyjama. Je me suis pris un petit peignoir, enfin c'est pas un peignoir, mais en tissu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous voyez, donc il est très sympa aussi. Donc moi j'aime bien le porter comme ça à la maison, quand il fait un petit peu frisqué. Et voilà, et puis on est super bien dedans, moi j'adore, voilà, j'adore, j'aime bien la couleur, ça change du noir, c'est super. Ensuite, je me suis pris, alors ça vous l'avez vu déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos que j'avais avant, en fait j'avais fait 3 ou 4 vidéos la même journée, c'est pour ça que vous m'avez vu 4 vidéos avec ce produit, donc on est super bien dedans, c'est très 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 joli, très féminin. Je vais vous montrer, puis bronzé, c'est très sympa. Je vous montre ça tout de suite habillé. Vous aviez été plusieurs à trouver ce petit haut très 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 joli, donc je vous le montre. Alors, ma fille me dit qu'il n'est pas transparent. Elle me dit, tu peux même te promener dehors avec. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu transparent, mais bon, voilà. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit short, c'est un petit shorty en fait, une combi short. On est super bien dedans. Voilà, ça se présente comme ça. On est vraiment mais bien dedans. Le tissu est très fin et pour être à la maison, je trouve ça génial. J'oserais pas sortir dehors avec ça, mais pour aller à la plage, si vous êtes à la plage avec un petit maillot de bain dessous, pourquoi pas. Mais vraiment, en plus, je trouve que c'est vraiment mais super, super joli. Vous voyez, très, très, très cool. Très sympa, j'aime bien. J'adore ce petit, cette petite combi, elle est super belle. Ensuite, je me suis pris un petit short. Voilà, un petit short qui se présente comme ça. Puis toujours coloré, hein, je suis à fond dans la couleur. je vais l'essayer, puis je vais vous montrer. Donc voilà pour le petit short. Il est très sympa aussi pour traîner à la maison. Franchement, j'ai mis la petite... la petite lanière à l'envers, mais c'est pas grave, voilà, donc ça se présente comme ça, on est très très bien dedans, je dirais même si vous êtes en camping, sur la plage, c'est super cool, moi j'adore, je suis super bien, j'adore, je trouve que c'est super sympa, et en plus ça coûte 2 sous pas cher, ça coûte 20 euros, 19 euros, quelque chose comme ça, et moins les 40, donc c'était super intéressant, voilà, je vais vous en montrer un autre. Voilà, donc là, c'est une petite tenue. Donc là, c'est une petite tenue que j'avais achetée à Nice aussi. Ce que je viens de vous montrer, ce sont des produits que j'avais achetés à Nice, chez Etam, lingerie à Nice. Donc vous voyez, vous pouvez les trouver n'importe où. Je vous mettrai d'ailleurs pas les liens en barre d'infos parce que vous allez dans tous les Etam, vous les trouvez quoi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors j'aime bien le petit haut, ça ressemble à du lin. Voilà, donc c'est très 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 sympa, on est très bien dedans. Et vous avez le short, le petit short assorti, voilà, qui est super cool avec des petites poches aussi. Donc voilà, on attend juste le soleil. Et pour profiter du beau temps, et en fait il fait pleuvoir, donc là j'ai encore allumé le chauffage parce que ce week-end je me caillais. Voilà, donc c'est très 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 cool. J'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà. Ensuite, je me suis pris un petit haut. Je vais vous le montrer comme ça. Je vais vous le mettre aussi. Voilà, j'ai pris un petit haut pour aller avec... C'était un petit haut pour aller avec ce pantalon. Vous voyez, c'était l'ensemble. Donc, il se présente comme ça.
avec des petits lacets juste là, là, des petits liens. Et tout simple. Il est confortable aussi, c'est du coton. C'est des petits produits. Moi, j'aime bien aller chez Etam parce que franchement, c'est pas cher. Et bon, il y a toujours de très jolies choses. Voilà, présente comme ça. Ensuite, je me suis acheté deux soutiens-gorge. Alors, j'ai adoré ces deux produits. Ma fille me dit, ah, mais c'est super moche, ces soutiens-gorge et tout. Mais moi, je trouve pas que ce soit moche. Déjà, je trouve que c'est un soutien-gorge que je trouve très confortable. Et en plus, il se présente comme ça. Et en plus, moi, je sais que quand je porte des chemises blanches, j'ai plusieurs chemises blanches de chez Pinky. Quand je mets un sous-vêtement derrière, un soutien-gorge à dentelle, ça se voit. On voit que la dentelle, donc je trouve pas ça très joli. Et ben là, avec ce soutien-gorge, on voit pas du tout. On voit rien dessous. Si vous mettez un petit chemisier blanc qui est un peu transparent avec ce soutien-gorge, franchement ça passe nickel, ça tient très très bien la poitrine et moi je le trouve pas moche, je le trouve très joli. Voilà, et vous avez la petite culotte qui est sortie. Voilà, moi j'en ai pris deux. Il y a des strings, bon, moi j'ai pris deux petits strings et voilà, et il y a aussi. Il y a des strings ou des petits shorties. Donc moi, j'ai pris deux strings. Et je l'ai choisi en noir aussi parce que vraiment, on est très très bien dedans. J'adore ce soutien-gorge aussi. Ça, je trouve que quand on met un chemisier transparent en voile, eh ben, ça passe vraiment très très bien et c'est très joli. Voilà. Donc c'est le même, mais en noir. Et toujours avec le petit string qui va avec, hop, qui se présente comme ça. Voilà, et c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Et franchement, quand on porte quelque chose de transparent, c'est vraiment l'idéal. Et je pense que je vais en racheter d'autres. J'ai profité des soldes pour en reprendre d'autres parce qu'ils sont très, très bien. Donc ça c'était les produits que j'avais achetés à Nice. Et j'en ai racheté d'autres, donc samedi. Trop beau. Alors, je voulais absolument vous le montrer, celui-là. Il est trop, trop beau. Il est magnifique. Je vais vous le passer, je vais vous le montrer. Voilà. Alors ça, j'adore. Franchement, je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, pareil pour la plage hein, ou pour être à la maison. Moi, je l'ai acheté pour être à la maison. Voilà. Mais, alors, il n'y a pas de poche. Mais, vous voyez, moi, je verrais bien ça. Je ne le porterai pas sans rien dessous parce que c'est un petit peu court quand même derrière. Je serai un peu mal à l'aise. Mais avec un pantalon large dessous, je ne sais pas. Quoique, ça a l'air de passer quand même. Ouais, comme ça, si ça passe. Les manches, je les adore. Elles sont trop trop belles, vous voyez. Ah, j'adore cette petite tunique. Ouais, je trouve ça très 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 joli. Avec le petit décolleté derrière, je trouve ça trop trop beau. Ce vert là, je trouve ça hyper gai, hyper joyeux, j'adore, trop beau. Ensuite, j'ai choisi un autre petit, alors là par contre, je vais l'essayer. Donc là, je me suis pris plusieurs petits hauts comme ça, je les ai pris aussi pour les porter à l'extérieur. Je porte ça avec un petit tailleur, avec une petite veste et je trouve que ça habille, c'est très joli, je trouve que c'est très féminin. Avec une petite jupe ou un beau pantalon, je trouve ça très sympa et ça change. Donc j'en ai pris un de cette couleur avec le petit shorty toujours. Alors là, j'ai pris la taille L, mais c'est bien parce que il y a une petite ficelle qu'on peut resserrer, donc ça va. J'avais peur que ça n'aille pas, mais en fait, si, puisqu'on peut serrer à la taille, donc ça c'est très bien. Voilà, un autre petit avec de la couleur. Voilà, très joli, avec ce petit haut, très sympa. Ça, je le mettrai, je les garde pour les porter avec des jupes ou avec des pantalons. Je vais essayer les autres, vous allez voir. Voilà, avec le rouge, ça va super bien aussi. Bah, c'était l'ensemble celui-là, vous voyez, donc très très bien. Superbe. Je vais vous montrer le noir aussi, vous voyez. Ça vous donne une petite idée si vous êtes intéressé. Voilà, alors ce petit haut, moi je l'adore, je trouve trop trop beau. J'aime beaucoup en fait les, voyez, le haut, les bretelles derrière. Et bien, j'aime bien le derrière, donc celui-là il est magnifique aussi, c'est super. Et puis on est très très bien dedans,
Et franchement, moi, je trouve que ça chauffe pas du tout avec un pantalon. Ma fille m'a dit non. Ma fille m'a dit aussi que ça choquait pas. Donc moi, ça, je vais le mettre aussi avec un pantalon ou une jupe. Voilà, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et j'en ai acheté un dernier. Celui-là, je vais pas vous le montrer en vidéo parce que il est transparent. Donc je trouve magnifique aussi, vous voyez. Il est un peu transparent. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir le porter. Parce que je trouve trop trop beau. Ou sinon je le porterai vraiment avec une veste. Ouais. Pas sans veste, parce que sinon il est un peu transparent. C'est bien dommage. Moi j'aime beaucoup avec cette petite dentelle. Là, je trouve ça très joli. Voilà. Voilà mes petits. Mais j'ai pas fini. J'en ai acheté deux. Ah non, mais c'est pas pour moi. Là, c'en est un autre. Ma fille aussi s'en est pris. Hein. Ça, c'est à ma fille. Voilà. Je lui ai dit, mais c'est bizarre, j'en ai pris deux. Oui, non, celui-là, il est à ma fille. Elle s'est acheté le même. Et ma fille s'est acheté aussi. S'est choisi celui-là. Ce petit shorty. Voilà. Très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup. J'avais peur, en fait, qu'on ne soit pas bien dedans, qu'on transpire trop. Et pas du tout. On est super bien dedans. On est vraiment à l'aise. Je les trouve très jolis. Et après, je n'ai pas envie de mettre plus d'argent pour des petits bacs pour traîner à la maison. Je préfère les changer régulièrement et avoir quelque chose de sympa. Voilà. Donc, moi personnellement, j'aime bien. Au moins, quand le livreur d'Amazon vient, au moins, je serai présentable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient, je suis toujours habillée en vrac. Et là, encore, il faut faire un petit effort. Voilà, comme ça, au moins, je suis présentable. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est le bon moment pour vous la faire, puisque là, c'est intéressant. Il y a les ventes privées qui commencent, donc c'est super intéressant. Et j'aime bien Etam. On peut trouver de la jolie lingerie pour pas cher. J'aime beaucoup. C'est un magasin que j'aime bien. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.